quoi le risque? Ouf, le risque de prendre soin de moi. Le risque de prendre soin de moi, ça voudrait dire d'arrêter de consommer, de prendre un autre chemin, de prendre ma vie en main et d'aller de l'avant. Et ça, je pense que je ne sais pas pourquoi. J'aimerais bien pouvoir enlever le frein, je ne sais pas où il est, et pouvoir le faire, mais j'y arrive pas. Tu le dis à certaines personnes? Oui, Non. c'est. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Autour de c'est. moi? Si. Il me parlait de sa famille, etc. Et je dis, moi, j'ai un enfant qui a un problème. Et j'ai expliqué ce que c'était. Putain, son enfant. Pourquoi il va pas? Aïe, aïe, aïe. Take this once. Take this once. D'écrire une chanson, peut-être que c'est terminé, mais ça c'est une chanson qui s'appelle My Secret Life. It goes like this. I smile when I'm angry. I cheat and I lie. I do what I have to do to get by. But I know what is wrong and I know what is right. I'm a master of truth in my secret life. Ça bouge quand même, vraiment. Vous n'avez pas vu. Mais à quel âge votre fille, Solal? Attendez, parce que j'ai du mal à compter l'âge de mes enfants. Donc... Ah oui, 43 ans et demi. ça vous fait rire? Non, mais... Vous riez de moi, là? Non, mais à 43 ans, c'est plus un gamin, vous savez. Oui, c'est vraiment... C'est des pourritures. Non, non, madame, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas comme ça. Quelque chose. 500 000 réfugiés cherchent un abri en France. Tu crois qu'ils méritaient ça? Les fils de fer barbelés dressés pour laisser mourir de faim, de froid, de maladie, frappés, humiliés. Régalez-vous! Il y avait bien quelques gestes. Tenez, c'est pour vous. Sembla que estiguis esperant algú amb moltes ganes, oi? Sí, la meva promesa. Allez, bougez-vous les fesses! No passa gan! Tiens, saloperie d'espagnol de merde! Et après? Oh, après... Todas las madres del mundo escondan su vientre tiembla. Hola, Josep. Esconden su vientre, tiemblan, no quisieran retirar. Yo volvería para escupir en la tumba de Franco. Biologică în spitalele românești, dezinfectanții folosiți în mii de fel de operație sunt de fapt apă de ploaie. Memorii din sănătate, noi, explicație. Sper ca ancheta procurorilor să tragă niște oameni foarte concret la răspundere. Lise Lopez, 15 ans,
1m60. Il va falloir que tu t'accroches. Personne ne va te faire de cadeau ici. À partir de demain, c'est 10 heures de sport par semaine. En plus des cours et des entraînements le week-end. Et on va voir ceux qui ont dans les jambes. Hop, 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 hop. Tu donnes tout, là? Non, je regarde un peu. Il est toujours comme ça, Fred. Ah bah ouais. T'aurais-tu fait exprès? Tu vois le mec derrière toi? C'est le coach de l'équipe de France. Et il pense que t'as rien à foutre ici. Avec lui, c'est plus il te casse, plus tu l'écoutes, et plus tu l'écoutes, meilleur tu deviens. Je veux savoir ce que t'as dans le ventre, là, hein? Sinon, tu rentres chez toi. Tu vois, je te l'avais dit, hein? Travail paye. Une fusée. Championne de France. On dirait une gamine, là. Bon, alors, comment ça se passe, l'entraînement? C'est la chouchoute, alors bon. Qu'est-ce que tu fais? Si c'était Fred, tu dirais quoi? Tu vois pas qu'il nous regarde? T'as parlé à quelqu'un? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais de quoi je parle? Il n'existe aucune trace de votre accouchement. Puis retrouver un enfant abandonné sous X depuis 30 ans, c'est très difficile. À ce point? Oui, ça c'est normal. Hein. Donner ses données, reprendre ses volets. Je m'excuse, mais je trouve ça trop injuste. Quoi? On peut rien faire alors? Ça peut prendre du temps. Mais c'est-à-dire, j'ai un souci de santé. Si vous êtes pressé, on s'en sort plus. Excusez ma grossièreté. Adieu les cons. Je suis strappée. J'étais à l'agence de santé. Excusez-moi de vous dire ça, madame, mais on kidnappe pas les gens pour leur demander de l'aide pour un dossier. On leur tire pas non plus dessus quand ils sont au travail. C'est sur moi que je tirais. Ah bon? Prévenez à l'intérieur. Est-ce qu'il peut récidiver? J'aimerais vous dire que non, mais maintenant, il est en fuite, en rage. Madame, si je peux vous aider, c'est très gentil, mais je vois pas comment. Si je retrouve le dossier, vous m'aiderez? Oui. Waouh. Waouh. Quoi, waouh? Il pose son arme et on va discuter tranquillement. 5 pas. Les mains derrière la tête. C'est une méprise. S'il vous plaît, docteur. Vous êtes des médecins? Oui, j'ai un petit garçon avec vous. On a eu un enfant ensemble. Madame Trappé, quand toutes les brunes à tempérament, elle cherche la vie, l'énergie du positif. Elle cherche surtout son gamin. Et là encore, c'est une quête d'amour. Le plus important à dire dans une vie. Comment tu le vis, toi? Très mal. C'est une grosse bêtise que j'ai faite. Et je ne supportais pas les toxicomanes quand j'étais plus jeune. Et là, j'en suis un. Et j'ai dû l'accepter. Je pense que je n'accepterai jamais. C'est d'ailleurs pour ça que je vais m'en sortir et que je suis ici aujourd'hui. Mmh. C'est pas évident. Du tout. Un innocent en prison. Si tu entends mis ici là-haut, va bien. Nous sommes tous coupables. Et avant l'homme qui a dansé, vous venez ici. Kavachan. La lune a parlé. Elle est rouge. Le chef Bab a décidé de nous faire plaisir. Il a choisi un nouveau roman. Quelle histoire, roman, nous, Popo. Le mot prend quelle couleur dans son bébé? Espoir ou tristesse? Amen!
ou bien si. Balıcız. Balıcız. Bu var. Fransızca. Hıncı. Bu için sağlıklı yoklu var. Başta tanım. Bu tanıdıkta yani. Alain de... Alain Delon.这才打人念了菜房，呀！一说菜房嘛，反正关键怕菜就点房，不晓得走。2014年才说这个，到现在还这个。有时候给你断电断水，这意思就是找你办。实际上你这咋不如给他们办了？你也搞对不过去，你就好好一天水上来了，好一天水上去了。 世事难料，谁也无法做出非常准确的答案。但是我觉得中国一定会发展越来越好。快别花儿，叫花费啊，天费的，别花的。 你看这5年来，变化这多好！将来生活的话，我可能我想去一个比较大的城市，啊，在那里定居下来，啊，住上更好的房子，过上更好的生活。 Il n'existe aucune trace de votre accouchement. Puis retrouver un enfant abandonné sous X depuis 30 ans, c'est très difficile. À ce point? Oui, ça c'est normal. Hein. Donner ses données, reprendre ses volets. Je m'excuse, mais je trouve ça trop injuste. Quoi, on peut rien faire alors? Ça peut prendre du temps. Mais c'est-à-dire, j'ai un souci de santé. Si vous êtes pressé, on s'en sort plus. Excusez ma grossièreté. Adieu les cons. Je suis strappée. J'étais à l'agence de santé. Excusez-moi de vous dire ça, madame, mais on kidnappe pas les gens pour leur demander de l'aide pour un dossier. On leur tire pas non plus dessus quand ils sont au travail. C'est sur moi que je tirais. Ah bon? Prévenez à l'intérieur. Est-ce qu'il
qu'il peut récidiver. J'aimerais vous dire que non, mais maintenant, il est en fuite, en rage. Madame, si je peux vous aider, c'est très gentil, mais je vois pas comment. Si je retrouve le dossier, vous m'aiderez. Oui. Waouh. Waouh. Quoi, waouh? Il pose son arme et on va discuter tranquillement. 5 points. Les mains derrière la tête. C'est une méprise. S'il vous plaît, docteur. Vous êtes des médecins? Oui, j'ai un petit garçon avec vous. On a eu un enfant ensemble. Madame Trappée, comme toutes les brunes à tempérament, elle cherche la vie, l'énergie du positif. Elle cherche surtout son gamin. Et là encore, c'est une quête d'amour. Mais vous avez jamais travaillé avec des détenus ? Si, un petit peu. Mais c'était des jeunes en difficulté qui avaient fait des conneries. Ah d'accord. C'est pas pareil. Hein. Je t'ai dit que je pouvais. Alors là, je m'appelle Étienne, je suis comédien. On va faire des sketchs, nous, monsieur. Bah ouais, nous, on va faire du stand-up. Les sketchs, c'est pas trop mon truc. Moi, je fais du théâtre. Mais c'est bizarre, on vous a jamais vu. T'es con, quoi. Il serait une star, il serait pas avec nous. Tu réfléchis un peu. Grand auteur de théâtre du XXe siècle. De quoi elle parle, la pièce ? De deux mecs dans la merde qui espèrent des lendemains meilleurs. Ça vous parle pas, ça ? Je veux pas qu'ils se retrouvent en situation d'échec. Je suis là pour les tirer vers le haut. Oh, vas-y, c'est relou ton truc. Au boulot. Ça veut dire 6 mois de répétition. Mais comment vous voulez que je justifie ça, moi ? Ils vont représenter tous les autres. Ils vont devenir des exemples, des ambassadeurs. Comment veux-tu qu'ils y arrivent ? C'est pas des acteurs. Donne-moi 6 mois, je vais le faire. Ça divine. Aphasie. Putain de merde, je sais même pas ce que ça veut dire, aphasie. C'est quoi ce bordel, là ? Cette répétition, là. Vous êtes pas dans un théâtre, ici. Vous êtes dans une prison. Avec des délinquants, des criminels. Non, tu parles pas comme ça, mon. Attends, je te parle comme je veux, je suis metteur en scène, ici. Moi, je veux que les spectateurs, ils oublient d'où vous venez. Je crois qu'on oublie d'où on vient, non ? Le public est saisi du grand théâtre. Je crois que vous allez faire une tournée. C'est pas pour eux que t'as fait ça, c'est pour toi. Et alors ? J'ai pas le droit d'exister, moi ? Allez, c'est passé ça, quand même. Étonnez-nous. Ça, vous l'emporterez avec vous. Personne ne viendra vous le piquer, ça. T'es fâché ? Ah non, je suis pas fâché, non. Non, mais je joue, là, c'est mon texte. Ah bah, c'était bien, là. C'était juste, non ?